tu peux passer la première diapo. Alors, je vous explique très clairement aujourd'hui où est-ce que nous allons. J'ai 10 points et ça sera en moins de 40 minutes, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que nous allons voir. Le texte du jour, ne vous lassez pas, à bon, persévérez. Personne ne voulait ranger les chaises. Besoin d'excitation et de persévérance. Le service après-vente de Paul. Que dit Jésus? Et une conclusion et un appel. Voilà, c'est là où nous allons. Donc, numéro 1, nous avons un mot d'ordre. Et j'aimerais commencer par là. Alors, ce n'est pas moi qui ai choisi ce mot d'ordre. C'est Kyria, j'ai appris ça mercredi. Elle a fait le dessin et tout. Voilà. Alors, on va relire ce texte. Donc, c'est la lettre de Paul, la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 18. Un peu de contexte. Donc, Paul donne plein de consignes très pratiques pour une vie de piété, une vie avec le Seigneur. Et puis, juste avant, il ordonne à Timothée de combattre le bon combat de la foi. Et là, il arrive, il parle de ceux qui sont riches dans ce monde. Et il dit, ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Alors, en lisant ça, je suis frappé par le mot ordonne. Ordonne, c'est un mot fort. J'ai vérifié dans le grec, est-ce que c'est bien traduit? Oui. Le mot, en fait, c'est un mot à consonance militaire qui veut dire, alors je vais lire la définition précise, transmettre un message plein d'autorité qui passe par les canaux appropriés. Donc, donne un ordre. Alors, dans les traductions plus récentes, c'est recommande, c'est voilà, parce que nous, on n'ose pas aujourd'hui donner des ordres, c'est suggère, invite, propose. Non, c'est ordonne. Pourquoi? Ben parce que c'est le Seigneur qui parle. Et il a toute autorité sur nos vies pour dire fais ci, fais ça. Et qui sommes-nous pour contester? Il a tous les droits. Il est au sommet de cette hiérarchie qu'il a établie. Et il nous ordonne de partager ce que nous avons. Alors peut-être on se dit, mais moi je ne suis pas riche, je suis pauvre. Donc ça ne s'applique pas à moi. Alors, deux choses. Premièrement, par rapport à ces croyants du premier siècle, nous sommes presque tous riches. Peut-être pas certains étudiants, mais nous sommes presque tous riches. Et puis, si ce n'est pas l'argent, nous sommes tous riches de quelque chose. Nous avons tous des richesses. Pas forcément financières, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit d'abord de faire le bien. Bon, c'est un peu simpliste, faire le bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Paul, pour soit un peu plus précis. Être riche en belles œuvres, d'accord, ben c'est joli, mais lesquelles? Se montrer généreux, prêt à partager. Et en fait, c'est là où on a commencé, au début du mois. On a parlé de Acte 2, cette communauté qui s'est formée, la générosité incroyable, ils partageaient toute leur possession, mettaient tout en commun. Tout a commencé par la générosité, le partage. Et Dieu veut, pour nous, ce partage, que ce soit de notre vie, nos talents, notre temps, nos richesses, ça plaît à Dieu. Il ordonne le partage. Alors, quand même plus spécifiquement, point numéro 2, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire ici, maintenant? On a essayé de discerner un peu ça ensemble. Alors, je vais parler d'abord pour moi-même, en espérant que ça parle aussi à d'autres dans l'Église. Ça part un peu de mon vécu récent. Ce que Dieu me demande, c'est de persévérer. Parce que, effectivement, comme l'a dit Nadine, ça peut être très fatigant de faire le bien. Parce que justement, il n'y a pas assez de recours, pas assez de reconnaissance, pas assez de fruits, très souvent. Et donc, l'apôtre Paul, dans Galates 6, verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons, promesse, au temps convenable, qu'on ne maîtrise pas. Si nous ne relâchons, nous, nous, ne, si nous ne nous relâchons pas. Alors, je vais être franc avec vous parce qu'on est en mode partage ce week-end. On est dans le thème partager pour construire. Pour une bonne partie de cette semaine, j'ai senti une très forte lassitude. J'ai vécu pendant 5 jours un découragement assez profond. Je vous explique un peu pourquoi, mais je ne cherche pas la pitié ou les larmes ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai souvent l'impression de travailler pour rien, de ne rien moissonner. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, de construire des châteaux de cartes qui ne tiennent pas. Alors, je suis conscient que les impressions peuvent être fausses. Donc, je vais juste donner quelques exemples de cette semaine, pourquoi j'ai ressenti ça. Alors, d'abord, dimanche, il y a une semaine, nous avons organisé le premier repas communautaire depuis plus de 2 ans. C'est le vrai repas. Bon, il y a eu les barbecues, mais.
Et on voulait bénir les étudiants pour la rentrée. Donc il y a eu une douzaine d'étudiants qui sont venus et pour manger gratuitement, c'est normal. Moi, j'aurais fait pareil. Et en dehors de notre famille, et puis l'incontournable trio Osterman, Cathy et Hackett, il y avait juste un couple et deux célibataires de l'église, des réguliers. C'était très, très décourageant. C'est parce que bon, je sais qu'il y a plein de raisons, plein d'explications. Hein. Mais voilà, une première, un premier coup un peu dur qui m'a donné envie de « Ok, à quoi ça sert ?» Bon. Alors, il y avait aussi deux personnes qui se sont rajoutées qui n'avaient pas pensé à apporter à manger. Alors, c'est vrai que quand on a vécu autre chose dans une autre église, on peut comparer. Et c'est vrai, dans ma première église, quand j'étais à Dijon, on faisait des repas communautaires à peu près tous les deux mois. Et il y avait peut-être 90% de l'église qui restait. Alors, moi, je n'ai jamais vu ça ici à Strasbourg. Enfin, ici, au Vallon. J'ai jamais vu plus que la moitié des gens qui restaient. Donc, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que c'est une autre culture d'église? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on est moins solidaire? Est-ce qu'on est plus individualiste? Et c'est vrai, quand on cherche des explications, on peut en trouver. Il y a des malades, il y a des fatigués, il y a des familles, il y a ci, il y a ça. Le problème, c'est que c'est dans beaucoup de choses, quand on essaie d'organiser ensemble, le collectif, ça ne semble pas très bien fonctionner. Alors, mardi soir, le deuxième exemple, donc on organise des formations en ce moment pour les groupes de partage et on a eu une première il y a 15 jours. Et en dehors des réguliers qui étaient donc dans les cellules, il y avait 6 ou 7 nouveaux qui sont venus il y a 15 jours et juste un qui est revenu pour la deuxième. Forcément, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce que ça sert à quelque chose ce qu'on fait? Voilà, et le même soir, je suis rentré. Alors, c'était le soir de mon anniversaire et j'ai un texto, quelqu'un qui est dans notre groupe de partage qui m'annonce qu'il ne viendra plus du tout de l'année, de la famille sur laquelle on comptait et on les aime beaucoup et on s'apprécie beaucoup. Ils n'ont pas le temps, donc ils ne viendront pas. Boum, ah, encore des choses qui se réduisent, des espoirs qui s'amenuisent. La même semaine, au cours de la semaine, autre exemple, j'ai essayé d'organiser une rencontre avec les étudiants. Alors, j'ai mis 16-17 personnes dans un groupe WhatsApp. J'ai proposé un lieu de rencontre à la fac pour essayer d'être plus près, un horaire que je pensais pouvait bien convenir. Alors, je sais que chacun a ses contraintes, mais il n'y en a que 4 ou 5 qui ont même répondu. J'ai mis des relances, mais... Et puis, au final, on était 2. Voilà. Et tout ça, pour être franc et honnête, c'est parfois très, très difficile à garder le courage, en fait. Parce que ailleurs aussi, dans d'autres domaines, ça se vérifie. Une journée d'église, donc c'est notre grosse journée de l'année, il y a moins d'un tiers des gens réguliers de l'église qui viennent pour aider. Et puis dans d'autres domaines, groupe d'hommes, cette année, on a réduit le nombre de rencontres de 6 à 3 parce qu'il n'y a pas assez de participation. Le groupe de femmes s'est arrêté, je ne sais pas quelle explication. Ah, bien, bonne nouvelle. Super, super. Les rencontres de louanges, on a arrêté aussi. J'ai arrêté le café théologique parce que pas assez d'intérêt. Voilà. Donc, je suis arrivé un peu à me dire, où est-ce qu'on va? La semaine dernière, j'ai posé la question, jusqu'où irons-nous? Cette semaine, j'ai cru recevoir la réponse, nulle part. Ensemble, on ira nulle part. Chacun va de son côté. Plouf, 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 plouf. Donc, j'essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que... Si peut-être avant dans ma vie d'église, alors c'est vrai, il ne faut pas trop comparer, mais la majorité pouvait, maintenant la majorité ne peut pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit démissionner, nous les responsables? Est-ce qu'on doit jeter l'éponge? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien? Et tout ça, ça remue. Est-ce que c'est la société qui a changé et donc du coup forcément l'église aussi un peu avec? Je pense qu'il y a un peu de ça. Alors je prends un exemple. On a fait quelque chose de grave ce matin, on a chanté un chant où il y a nous. Dans la 95% de nos chants, on chante juste « je ». On pense que à travers nos perspectives. Dans les siècles passés, c'était peut-être trop sur le « nous », pas assez sur le « je », mais là, on est quasi 100% dans le « je ». Et même si c'est juste ce qu'on chante, et c'est très bien, et on peut le chanter individuellement, mais on a tendance un peu à oublier l'aspect collectif. Alors, je suis comme les autres leaders de louange, je choisis dans ce qu'il y a. Il y a très peu de « nous » dans ce que... Je choisis aussi. Alors, ça, c'est mon PowerPoint pour la cellule. Et en fait, moi, j'ai mis entre parenthèses, Abba Père, nous sommes à toi, parce que nous, je veux qu'on chante nous aussi. Donc, je dis, on va ensuite chanter nous. Alors,
Voilà, je me suis dit, ben, on arrive à une forme d'église où c'est 100% à la carte et 0% d'engagement, comme dans la société. Alors, dans un moment de cynisme, je me suis dit, ben, en fait, ce que veut la vaste majorité des chrétiens, c'est un culte une ou deux fois par mois et puis basta, c'est tout. Sauf que moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Donc, j'ai eu quelques moments où je me suis dit, oh, ben, je vais devenir facteur, je vais devenir barman. Bon, mais après je me suis dit, non, quand même, Seigneur, j'ai fait une promesse solennelle devant toi, je ne peux pas. Comment je fais? Alors j'ai l'option de me dire, ok, bah écoute, on va tout laisser tomber, tout sauf les cultes et peut-être les groupes de partage, et j'en mets le paquet dessus parce que c'est ce que veulent les gens. Mais jusqu'où est-ce qu'on ira? Si on arrête, on arrête, on arrête, est-ce qu'on va un jour arrêter les cultes? Bon. Et puis, je suis arrivé à la troisième option. Qui est la bonne? Persévérer. Persévérer. Il y a une sorte de dicton, je n'ai pas retrouvé, mais qui dit un peu ceci, il n'y a rien de plus stupide que de continuer à faire les mêmes choses qui ne marchent pas. Alors moi, j'ai essayé différentes façons. Nous avons essayé plein de choses différentes. Il n'y a pas beaucoup qui sont le marché, hein. Mais je sais que Dieu m'appelle et Dieu nous appelle. Nous, à persévérer. Persévérer. Comment faire sans se lasser? Alors, chacun aura peut-être des bons conseils à me donner. Comme je dis, je ne cherche pas une thérapie de groupe, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Alors, oui, il y a des bons conseils. Hein. Cette semaine, Cynthia m'a organisé une jolie sortie à la montagne, à Croubranche. C'était chouette, ça permet de prendre du recul, prendre la hauteur, ne pas être trop dans les projets qui ne fonctionnent pas comme on aimerait. Il n'y a qu'à, il faut que, ben, il n'y a qu'à prier. Ben, c'est vrai, je cherche à prier davantage. Ça me pousse toujours à plus à chercher le Seigneur. Et au final, ben, c'est tout simple. Dieu me dit, Dieu nous dit, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas. Et si le Seigneur le dit, je vais le faire. Et si le Seigneur nous le dit, nous allons le faire. Nous allons persévérer dans ce qu'il nous a appelés à vivre en tant qu'Église. Et en fait, et c'est là où j'ai rejoint la parole de Nadine, la parole du premier chant qui était dit hier, Christ est ma joie. Et je suis revenu en fait, c'est toi Seigneur ma joie. C'est toi Jésus. C'est toi Père. Tout ce que je fais, tout ce que nous le faisons pour toi. Et puis quand même, là on prend un peu de recul par rapport aux sentiments. Il y a quand même des gens dans la communauté qui n'ont pas abandonné l'idée de la communauté. Vous êtes des gens bien quand même. Je sais que vous êtes bien intentionnés. Et j'ai foi en Dieu qui appelle et parfois Dieu, il élague. Dieu, il enlève, il dépouille, il désempare, il permet pour que seule reste la confiance en lui. La confiance en lui, en personne et en rien d'autre. Et c'est vrai que ça m'est arrivé récemment de me sentir vraiment très inutile, un peu comme dit Paul, pressé de toutes parts, mais pas du tout abattu. Je n'étais quand même pas abattu. Donc voilà, mon partage, c'était le point 5. Tu peux passer le point 5? Non, voilà, c'est bon. Point 5, merci. Et j'ai lu une petite phrase il y a 2 semaines dans un magazine chrétien que je trouvais vraiment chouette. Ça m'a sauté aux yeux. C'est une dame qui parlait de quand elle était jeune, chrétienne, elle avait vécu un temps très fort avec un message d'engagement, un que j'ai vu pour le Seigneur, ensuite elle s'est engagée, je ne sais pas si elle était missionnaire ou quelque chose comme ça, des grands rêves pour Dieu, et puis à un moment donné, elle est arrivée plus ou moins au burn-out, parce que ses grands rêves ne se réalisaient pas comme on espérait. Elle écrit cette petite phrase par rapport à sa jeunesse, voilà, allons-y. Nous voulions tous être utilisés par Dieu, mais personne n'avait envie de plier les chaises après. Nous voulions tous être utilisés par Dieu, mais personne n'avait envie de plier les chaises après. On ne s'est pas rendu compte, quand on a présenté le rêve, la vision, waouh, c'est merveilleux, on va vivre ça, les miracles, machin, tata, que derrière, il y avait une partie secrète, ennuyeuse, répétitive, inintéressante, que personne ne voyait, banale. Parce qu'on ne pensait qu'au miracle, on ne pensait qu'aux conversions, que la partie glorieuse. Et on a oublié qu'avant la gloire, avant la croix, il y a la souffrance.
On voulait la gloire sans la croix. Alors, sixième point, nous avons besoin de rêver, de voir loin, d'avoir la vision de ce que Dieu nous appelle. Il nous appelle à aller plus loin, comme c'était dit, de différentes manières ce week-end, que ce soit dans le discipulat, dans la louange, dans le témoignage, dans notre rayonnement. Voilà, il y a plein de choses qui disent, allez-y, allons-y, plus loin, plus loin. On a besoin de ça. On a besoin de feu, on a besoin d'excitation. C'était des mots qui sont ressortis. Et nous avons besoin de persévérance et d'endurance. Nous avons besoin des deux. De rêve et de persévérance. Parce que le rêve, c'est la finalité et le chemin à travers, il n'est pas ce qu'on pense. Il est plus difficile que ce qu'on imagine. Alors, quand je parle de rêve, je ne parle pas de certains, quelques-uns, qui rêvent juste de leur confort. Je parle de ceux qui rêvent avec Dieu, des choses grandes et belles pour sa gloire, pour son œuvre. Et c'est vrai qu'on peut légitimement, par moments, être fatigué et avoir besoin que Dieu nous renouvelle nos rêves. Et c'est pour ça qu'on prend des moments comme ici pour que Dieu nous renouvelle dans nos rêves. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour une vie confortable. Il nous a créés comme intendants de sa création et en tant que nouvelle créature, intendant du message de sa nouvelle création, ambassadeur du royaume de Dieu. Et cette tâche qu'il nous a confiée comporte plein de défis. Peut-être le principal, c'est juste de persévérer. Juste de persévérer lorsque les choses ne vont pas aussi vite, aussi loin, aussi bien que ce qu'on espère. Alors, je vais parler maintenant du service après-vente de Paul. Pour beaucoup d'entre nous, on a lu le livre des Actes récemment et c'est vraiment passionnant et c'est excitant. On voit ces miracles, des choses extraordinaires qui se passent et on a envie de dire bah, « Seigneur, ouais, vas-y, fais ça aussi parmi nous, on a envie de voir plus. » Et Dieu agira, je suis confiant. On a encore eu deux petits témoignages ce matin de Dieu qui agit. C'est super. Il y a aussi peut-être des parents qui n'ont pas vécu ça. La question est, est-ce que nous sommes prêts à ranger les chaises après ? On a vu dimanche dernier, j'ai parlé de Actes 13 entre autres, et l'Esprit qui dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils vont partir en mission et ils vont vivre ces choses extraordinaires. Et puis il y a des choses comme par exemple dans Actes 15, 36, un peu qui indiquent qu'il y a aussi un boulot dans l'ombre, un boulot sans beaucoup de gloire. Après quelques temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Après, ils se disputent, ils se séparent, parce qu'ils sont des êtres humains comme nous. Verset 41, « Il parcourut la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. » Ce verset-là décrit un travail qui prend plusieurs mois, peut-être une année ou même deux années. C'est ça les voyages de Paul. Hein. On a une ligne. Et qu'est-ce qui se passe quand il retrouve ses églises? Il visite toutes les églises qu'il a implantées. Il ne les laisse pas juste seuls comme ça. Il fait le service après-vente. Qu'est-ce qui se passe? Il trouve beaucoup de problèmes à régler. D'où ses lettres. Ou après, et puis il entend, il se passe ça dans telle église. Ah purée, il s'arrache les cheveux. Il écrit des lettres certes passionnées, mais on voit aussi combien de larmes il verse sur les communautés qu'il a fondées. Il doit avoir des visites pénibles, il doit parfois corriger des choses, remettre l'ordre dans ses communautés. Il doit travailler dur, jour et nuit, dans les larmes, dans la détresse. Il parle de douleur de l'enfantement, de nouveau, jusqu'à ce que Christ soit formé chez ces jeunes chrétiens. Et puis il vécut des gens qui abandonnent la foi, des amis qui l'abandonnent en prison. Il en parle dans ses lettres. Il vit des nuits blanches de prière. Donc, excitation, rêve, feu et persévérance. Paul range les chaises après. Et non seulement il y range, il fait tout son possible pour apprendre à tout le monde à ranger les chaises après. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne normale ? Je vais donner mon opinion, c'est mon opinion. Une vie chrétienne normale, c'est des moments sublimes, des moments merveilleux, glorieux, des choses miraculeuses. Et entre ces moments-là, beaucoup, beaucoup de temps, de persévérance, de longs moments de persévérance parfois.
On a le best-of dans la Bible. On a les meilleurs tubes. Mais entre Abraham appelé, c'est 25, 30 ans, 40 ans après que le miracle arrive. Persévérance. Et Dieu est là dans la persévérance. Dieu est là pas seulement sur le sommet, il est aussi tout en bas. Amen. Et que dit Jésus, pour terminer? Tout ce que je vous partage ce matin, j'aimerais mettre en rapport avec quelques paroles du discours de Jésus sur la fin des temps. Donc c'est dans Matthieu 24. Il dit, « Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Alors que dit Jésus? Du verset 9 au 12, des choses très noires, négatives, mauvaises. Il parle de persécution, rejet des disciples. Il parle de gens qui abandonnent la foi. C'est Jésus qui annonce ça. Il dit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignants. Le mal ne cessera de croître. Waouh, c'est... Alors je me dis, des fois quand même, ça fait 10 siècles que les gens disent, c'était mieux avant. Pourtant, on n'a jamais vécu autant en sécurité dans le monde occidental du XXIe siècle, aussi dans le confort. En quoi est-ce que c'était mieux avant? C'est quoi ce mal croissant? Ce mal qui grandit? C'est pas le niveau de vie, hein. C'est, au sens biblique, le rejet de l'autorité de Dieu sous toutes ses formes. C'est ce que vit l'Occident. C'est s'ériger en son propre Dieu. C'est ça qui se passe depuis plusieurs siècles. De plus en plus, l'homme croit être son propre Dieu, son propre référent. C'est ça le mal. Et on a cette phrase qui est quand même déroutante. Moi, j'ai jamais aimé cette phrase. Hein. L'amour du plus grand nombre se refroidira. J'ai envie de dire, non Jésus, tu te trompes. De quel amour est-ce qu'il parle? Parce qu'il ne dit pas l'amour de qui ni pour qui. L'amour du plus grand nombre. Bon. Est-ce qu'il parle dans le monde? Est-ce qu'il parle dans l'église? Est-ce qu'il parle des deux? Est-ce qu'il parle d'un refroidissement général d'amour dans le corps de Christ, pour le corps de Christ? Moi, je dis souvent, si on aime Jésus, on aime son corps. On ne peut pas dissocier les deux. C'est vrai que je constate dans le monde, et aussi quand même un peu dans l'église, parce qu'on est dans le monde, l'intérêt personnel prime avant tout. C'est l'intérêt personnel. Alors, je ne veux pas être le vieux chenot qui râle et dire « Ah, les jeunes, vous n'êtes pas bien. Nous, on faisait ci, nous, on faisait ça quand on était petit. » Je sais que moi aussi, mon amour peut fluctuer. Donc, on a tout ça. Mais, il y a aussi du positif. Si c'est l'amour du plus grand nombre, ça veut dire qu'il y a une partie dont l'amour ne se refroidit pas. Et peut-être que cette partie-là, l'amour va aller grandissant. Pouf. Par contraste. Ça, il ne le dit pas. Mais ça, c'est mon souhait, ma prière et mon rêve. Que ceux qui ne se refroidissent pas dans l'amour, et qu'ils soient brûlants d'amour pour le Seigneur, pour le monde. Et puis, il dit, l'évangile sera prêché dans le monde entier. Et si on compare, il y a plusieurs siècles, c'est la plus grande expansion de la foi chrétienne depuis que Jésus est venu. 1910, les deux tiers des chrétiens se trouvaient dans l'Occident, en Europe. En Europe. 2010, 100 après, 100 ans après, les trois quarts se trouvent ailleurs. Juste un quart dans l'Occident. Donc l'évangile progresse. Le royaume de Dieu avance et il ira jusqu'au bout du monde. La question c'est, qu'est-ce sera notre part, notre rôle? Parce que Dieu, il va établir son Église. Quel sera notre rôle là-dedans? C'était ça ma question dimanche dernier. Jusqu'où irons-nous? Et puis, c'est aussi une bonne nouvelle. Si nous persévérons, si nous ne nous abandonnons pas, si nous ne écoutons pas les voix de la facilité, de la chair, si nous écoutons toujours la voix de l'esprit, si nous persévérons, nous serons sauvés. C'est, très simple. Celui qui tiendra le bon jusqu'au bout sera sauvé. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Jésus nous appelle à persévérer jusqu'au bout.
C'est une autre façon de nous dire de ne pas nous lasser de faire le bien. De ne pas nous lasser de faire le bien. De ne pas nous lasser de faire le bien dans son corps, à l'intérieur de son corps. Alors, je n'ai pas l'explication pour le repas fraternel de d'autres jours. Il y a peut-être plein d'explications, mais bon, évidemment, je ne veux pas dire que si on ne vient pas en repas, on met en danger notre salut. Hein, c'est pas ça. C'est juste qu'il nous veut aussi fidèles dans l'expression locale de son corps. Et j'aimerais vous encourager que le Seigneur veut aussi nous ressourcer. Il ne veut pas que nous nous lassions de faire le bien. Et il dit, ne vous lassez pas de faire le bien puisque vous le faites pour moi. Et c'est ça, je reviens à cette motivation première et principale et inchangeable. Seigneur, nous, ce que nous faisons, ce que nous, la manière dont nous agissons, nous le faisons pour toi. Nous devons garder ça constamment devant les yeux. Nous le faisons pour toi. Lorsque la reconnaissance que j'espère ne vient pas, Seigneur, c'est cadeau pour toi. Lorsque le résultat que j'espérais n'est pas là, Seigneur, c'est un sacrifice pour toi. C'est une offrande pour toi. Et nous avons cette assurance que ce que nous faisons d'un cœur pur, motivé, par amour pour lui, mais Dieu ne l'oubliera pas. Il sera notre récompense. Et là, comme souvent, j'aime encourager tous ceux qui font les choses invisibles dans la communauté, le ménage, les enfants aussi, c'est un peu invisible. C'est un beau coup de travail dans l'invisible. Le Seigneur le voit. Et puis celui qui témoigne à son voisin et qui surmonte ses peurs, le Seigneur le voit. Celui qui se donne de cette manière-là aussi, le Seigneur le voit. Alors, en conclusion, comment voulons-nous être au moment où Jésus reviendra? Quelle église voulons-nous être? Nous voulons être une église qui accomplit sans relâche sa tâche de faire le bien, de partager, d'être généreux les uns avec les autres, d'être généreux au-delà de nos murs aussi. Et c'est à nous de toujours garder, entretenir cette flamme d'amour pour Jésus, la flamme de son amour pour son peuple, la flamme de son amour pour ce monde, de ne pas nous lasser. De ne pas nous lasser. Alors c'est vrai qu'il est plus facile d'aimer Jésus un peu de loin en pensée que mon voisin, mon proche, peut-être l'autre dans l'église qui pue. Il n'est pas parfait. Jésus, il est parfait, c'est facile, entre guillemets, de l'aimer. Celui qui est à côté, il n'est pas parfait, c'est plus difficile. C'est ça son appel. Paul dit que nous sommes membres les uns des autres, nous sommes un corps. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui nous réjouissent. Et le Seigneur cherche notre obéissance à ce mot d'ordre, de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de nous montrer généreux, prêts à partager, sans nous lasser. Sans nous lasser. Alors, je termine avec un appel très simple. Voilà. Toute prédication est un appel à un changement. Quel est le changement que le Seigneur veut que tu vives? Bien sûr, je ne sais pas. Je sais que nous avons un appel en commun qui est celui de persévérer à faire le bien tel que nous le comprenons. Imparfaitement, encore, mais de persévérer. Crois que le Seigneur te relèvera. Crois que la moisson arrive, tôt ou tard. Continue à aimer par-dessus tout, que ce soit dans les grandes et les petites choses, que ce soit d'écrire un texto parce que quelqu'un t'a écrit un mot, de ne pas oublier. Alors je nous invite à prendre un petit instant de se poser devant le Seigneur. Seigneur, quel est le changement que tu veux opérer en moi? Est-ce que c'est juste me redonner l'espoir de voir les choses se réaliser? Ou est-ce que tu veux peut-être un investissement quelque part? Est-ce que tu veux une décision quelque part sans que ce soit accablant? Hein, bien sûr, c'est juste, Seigneur, tu m'appelles à quoi? Tu m'appelles à quoi? Veux-tu que je change? Donc j'invite à un petit moment de silence et un temps de prière.